Oh, tête de Wam, c'est de la frappe, les gars. Au Dédé. Toulouse, il y a de l'Acadie. Comment elles font pour rester ensemble avec toute la merde qu'il y a eu entre elles? Qui ça? Mes meufs? Mes fesses. Mon ref, le voyage est entre tes mains, putain de merde! Ah ouais, tu voulais? J'espère que les enfants, t'es resté à l'intérieur. Eh, on peut vous remonter, s'il te plaît, voilà, tu Vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo récap de la chasse au trésor organisée par Inox. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Inox a organisé une chasse au trésor géant dans toute la France. Avec quelques indices, il a indiqué à vous, les abonnés, le lieu où il s'est caché. Toulouse. L'orga a caché des QR codes partout dans la ville. Il fallait suivre des parcours avec des indices pour aller à chaque point et ainsi arriver à la cachette d'Inox. Le premier arrivant à taper le code dissimulé dans les QR codes à la planque d'Inox gagne un voyage et un an de Coca-Cola sans sucre. Bonne vidéo à tous. D'ailleurs mon petit ref, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mettre le pouce bleu, 200 000 pouces bleus, je fais une deuxième édition. Et voilà, mets la cloche de notification, abonne-toi à mes réseaux, ça fait plaisir, on est carrément ensemble. Bon là les gars, je suis dans ma chambre d'hôtel à Toulouse. Qu'est-ce que je fous à Toulouse? Les gars, aujourd'hui, petit backstage du jour où je me suis caché dans toute la France, où vous avez pour objectif de me retrouver. Donc voilà, bon, je l'avais fait en live sur ma chaîne, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Enfin j'espère en tout cas. Et donc je me suis dit, bon les gars, je vais me cacher partout en France et vous devez me trouver. Là on va aller visiter le studio dans lequel je vais live et que je vais me cacher avec Coca-Cola et Mercé. Bref, voilà, petit vlog Toulouse, voilà, c'est un titre informatif, c'est parti, on y va les amis. Les gars, en vrai de vrai, regardez, comment ça avoir de la beuba, hein. Je la rase ou je la laisse? Dites-moi dans les commentaires. Moi j'aime bien. Bon là, je vais découvrir où je vais me cacher, on va voir où je vais me cacher. Je sais pas là, on est où là? C'est Blanche, hein, c'est elle qui a tout organisé. C'est elle la boss, les gars. C'est Blanche qu'il faut féliciter. Bon, du coup, là, on va découvrir mon studio. J'ai hâte de le voir, je l'ai jamais vu, les gars. C'est ici que je me cache? C'est là, les gars, voilà. C'est là que je vais. Enfin, c'est la journée demain, mais qui me trouve. C'est ici, bonjour. Salut. Ça va? Bonsoir. Ça gaz. Donc, je vais me cacher là. Mais attends, mais les abonnés, ils vont galère. Les gars, on va où là? Oh, ici, c'est la régie. Ouais, j'attends, c'est là, mon là, sud, c'est ça. Que pour pas que les machines elles chauffent, on les met là. Ok, mais la régie, elle est là. Quel bail! Salut, les gars. Viens. Ouais, ça, c'est la régie. Pour le live là, mais attends, mais c'est un Claude Pied d'avion là, wesh. Oh, et attends, ça c'est ma porte. Gros ça. Mais attends, gros, mais wesh. Genre, c'est la porte. Oh, mais hey, Coca, ils ont régal, c'est une vraie machine. Et attends, là, j'ouvre la porte, il y a mon studio. Exactement. C'est parti, allons-y. Ouvre-moi cette porte, Thomas. Oh, oh, la dinguerie. Wesh, quel boy. Attends, mais wesh, il est incroyable le studio. Wouah, ça. Eh, ça. Ça, c'est le retour de mon live. Oh la dinguerie. Mais les gens ils vont surkiffer hein. Mais oui. Eh mais attends. Tu crois quoi? Eh mais les abonnés ils vont péter leur crâne hein. Bah ben ouais. Mais c'est de la frappe. Et merci Coca, ils ont carrément régalé. C'est le mur des indices ça. Oh la dinguerie. Oh mais j'adore ce mur là. C'est de la frappe sa mère. Petit frigo. Là y a, c'est, ça rappelle un peu mon studio. La végétation. Ah c'est hoche hein. Théma le setup. Théma mon setup. Ça c'est ma canne de stream wesh. Oh tête de Wam, c'est de la frappe les gars, je suis trop content. Les gars là il y a la porte en fait. Et on m'a expliqué quand l'abonné il va arriver, il va appuyer sur le bouton. Ça veut dire qu'il a gagné. Et moi je vais lui ramener une canette de coca. Et là il y aura une caméra qui filmera tout. Mais les gars, c'est incroyable. Moi en fait je suis venu, j'ai donné mon idée avec Kevin. On a dit on veut ça. J'arrive, tout est prêt, tout est incroyable. Les gars, la logistique, tout est incroyable. C'est de rien peut-être pour vous, ça vous paraît pas énorme. Pour moi c'est un truc de ouf. Et donc j'espère que vous allez kiffer. Et si vous aimez ce genre de truc, vous me dites dans les commentaires. Et j'essaierai d'en refaire. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de budget. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Parce qu'il y a Coca ils ont ralasse. Mais c'est vrai que c'est une vraie orga. Les gars, il y a Mani. C'est celui qui va vous aider à trouver et tout dans la ville qui va filmer. Regardez ce qu'on est en train de s'amuser de faire. Il est en train de dormir. Regardez. Oh non, il se cache devant. Il est en train de pioncer. Regarde. Vas-y, zoom encore. Les narines. Les bonnes narines là. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah alors Mani, ouais, au charbon Mani, demain faudra pas dormir. Hein. Oh le charbon il est où là? Eh il est. Ouais. Regarde comment je suis à vous, on sait un braco, on me voit? Eh les gars, j'ai dû sortir de la planque là, parce que s'il y a un abonné qui me voit sortir
et qui sait que c'est moi, il va savoir direct où je suis caché. Voilà, là on voit mieux. Donc là on est incognito, on va à l'hôtel, faut que personne nous voit et c'est bon. T'es carré mec. Oh là là, cette organisation pour pas que je sois trouvé. Ouais, parce que les gars, je vais pas dormir dans la planque, je vais aller à l'hôtel tranquille et demain matin 9h on revient. Hey, tu sais que les gars, il y a un mec qui a déjà trouvé mon été. Ouais, truc de fou mon ref, la tête d'homme. Mec, eh, on a même pas encore commencé, poteau qui s'est déjà outé. Donc là poteau, dis à la commu ce qu'on a pas leur faire parce que désolé les gars, on est désolé, mais on va devoir créer des fausses pistes. Saïd, tu vas aller où? À Bordeaux, tu vas faire une story? Ouais, ils vont faire une story à Bordeaux, à 200 km. Et après, on part à Carcassonne, vite fait, on va. Les gars, on est méchants, mais on est obligés là. Sinon, le live va durer 10 minutes. Ok, les gars, là, on va faire à fond un 10 à la veille du cache-cache. Vous voyez la petite antenne là? On est en haut de tout Toulouse. Je vais me mettre là-haut, je vais dire, je viens de sortir de ma planque. Comme ça, ils vont penser que c'est à côté alors qu'on est à 20 minutes, tu vois. Tu penses que c'est un bon faux indice? Ah, c'est un bon faux indice. On va les cadre. Toute la vue. Oh oui, bébé. On est sur le toit de Toulouse. Au Dédé. On a fini la story, l'indice. Tout est parfait. Mec, c'est quand même stylé où on est. Hein. Quand même incroyable. A votre avis, faites vos pronostics maintenant dans les commentaires. Combien de temps les gens vont prendre pour me trouver? Toi, tu pronostiques combien, Lies? Commence à 10h, je pense. À 12h30, c'est fini. Ouais, moi aussi, je pense en 3h. Ça, c'est hoche. Allez, les gars, à demain. Saïd, ouais. Dès que tu croises quelqu'un, dis-lui, hey, excuse-moi, t'as pas du charbon à chicha? Ouais, t'inquiète. Mais un mec, ça se voit qu'il fume pas la chicha. Ouais, on va la placer, t'inquiète. Non, une meuf, c'est mieux. Oh, excuse-moi. S'il te plaît, est-ce que t'aurais du tabac à chicha, s'il te plaît? Est-ce que tu aurais du tabac à chicha? T'es staff de quoi? Ah ok, bonne soirée. Merde, c'est chiant. T'es subliminal. Oh non. Ah non, mais lui. Non mais lui, c'est trop. Là il voit une meuf. J'étais sûr qu'il allait la faire. Yes, je vais prendre son snap. S'il te plaît, ça y fait demi-tour juste pour Ilyes. Il le fait. C'est lui, c'est pas moi. Tu as téléphoné avec mon mec hein. Mais gros, tu voulais juste du charbon et chicha, pourquoi tu te dis? Ah ouais, merde, non, mais c'est pas lui. Ah, j'ai dit si. Elle, la marche arrière était incroyable, Saïd. Ouais, sortez. Ouais, ça va? Attends, c'est mon monteur? Ouais. De ma mère, c'est mon monteur! Non, mais vas-y, attends, calmez-vous. Attends, mais qu'est-ce que tu fous là, Erod? Sors, il va dans l'hôtel. Attends, vas-y. Ah oui, on est arrivé. Les gars, je viens de me réveiller, 6h45, c'est le jour J, on va aller se cacher. Là les gars, je vais aller place du Capitole, je crois, dans le centre de Toulouse, et je vais aller faire une story que je mettrai en lançant le live. Pour dire les gars, le premier indice est là. Le premier QR code, il est sur la place du Capitole, du coup, je crois que c'est ça le nom, mais en fait, je me rappelle plus. Et du coup, voilà, faut que j'aille tôt, parce qu'il faut qu'il y ait personne qui me voit. Donc voilà, priez pour que je me fasse pas cramer, parce que si je me fais cramer, qu'il y a un mec qui me suit, qu'au studio, on est mort, le plan est fichu. Prenez, si vous avez une canne, ce sera plus pratique pour vous, soyez méthodique machin et bonne chance à tous. En gros, il est où le QR code? Il est quelque part. J'ai la photo, il m'a envoyé. Il y a un bail là-bas. Là. Oui, bon, allez, c'est bon, donne-moi la cam, tu sers à rien. Oh, il filme le sol, putain, à l'heure, je lui dis filme-moi, il me filme le sol. Les gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Gros, il est comme ça. Ouais, mec, ça va ou quoi? Mais du coup, tu me diras. Comment tu me l'as pris? Attends, je le filme là. Elle était magnifique. Elle est magnifique, comment tu me l'as pris? Vas-y, vas-y. Non mais les gars, tu pour t'aider, tu leur demandes de t'aider, ils ils servaient à rien, ils faisaient. Ah ouais, la place du... Ah oui putain, mais je veux me voir ta bite. Tiens, bouge plus, juste comme ça. Je bouge plus. Voilà. Les gars, c'est ici que tout commence. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien. C'est parti les gars, on va au studio maintenant. Les gars, là on réglait un truc de dernière minute. On est en train d'écrire un indice pour le code, car le code final c'est 7258. Le problème c'est que il est pas donné dans le bon ordre. Enfin, on l'a pas donné dans le bon ordre pour que ça soit un peu galère quand même, parce que s'il y en a beaucoup qui l'ont, fallait qu'on filtre. Du coup, sur le tableau là, on va écrire en bas ici là, on va écrire 6000 et plus petit que X, qui est plus petit que 8000. Comme ça déjà, ça te réduit le code à... ça commence par un 7. Après, il restera 6 chances. Donc en fait, une fois que tu dis le code, tu pourras plus le redire. Donc tu le dis qu'une fois. Bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas capté cette séquence, mais je vous le dis, on vient de calculer ce petit ajout. Les amis, est-ce que vous allez bien? Je suis dans ma dégaine de mec caché. Je suis dans une taverne, très loin d'ici. Je vais enlever ma capuche. Je vais enlever mon masque. Vous allez trouver le inox d'habitude. Est-ce que vous voulez découvrir mon setup d'aujourd'hui? Il a été fait que pour l'occasion. Et donc les gars, faut respecter le travail. J'ai envie de vous le montrer sans plus tarder. Souli, est-ce que tu peux leur montrer le grand angle? Les gars, c'est mon studio de la journée. C'est donc là que je vais passer toute ma journée. Est-ce que vous le validez? Il y a un petit mur intéressant. Je vais tout vous montrer de toute façon. Il y a pas mal de petits indices qui se cachent sur ce mur. Petits mots croisés qu'on va remplir tous ensemble pendant le live. Il y a un petit mur derrière aussi. Et il y a le setup canal où je vais accueillir mon grand gagnant.
ça sera ici, où on parlera avec lui. De base, ici, c'était une cave, ils ont réussi à tout rénover, donc c'est incroyable. Est-ce que le setup est validé? On est à 100% de oui. Non, c'est impossible. Oh là, vous êtes les boss, les gars. On commence le live là, tous ensemble, et je vais vous donner un indice dans 10 minutes. Je vais vous donner un rendez-vous dans Toulouse, et ça sera le début du début. Donc ça veut dire que tous ceux qui veulent me chercher, vous serez obligés de commencer par là. Et même si vous allez à d'autres endroits, vous ne pourrez pas, si vous ne commencez pas par le commencement. Je connais, il y a des gens, ils vont vouloir gruger des étapes, c'est impossible. Ça va être une chasse au trésor. Et je vais avoir, au standard, un pote à moi, qui s'appelle Mani. Tout le monde connaît Mani, Mani l'esprit sur Twitch. Du coup, je l'ai envoyé, je l'ai fait venir à Toulouse. J'ai dit, mon ref, j'ai besoin de toi, faut que tu puisses m'aider avec les abonnés, faut que je puisse les voir chercher. J'ai envie de les voir chercher. Peut-être vous allez pouvoir parler avec lui et vous pourrez peut-être passer sur le live. Pendant le live, je vais avoir à disposition un téléphone. Le téléphone, il est là. On va faire un petit test. Sully, est-ce que tu peux m'appeler? Et avec ce téléphone, tout le monde pourra m'appeler. C'est-à-dire que même toi, chez toi, tu pourras m'appeler et parler dans le... Allô, Sully? Bon, là, vous entendez pas Sully. Normalement, vous entendrez l'abonné qui me répondra. Les gars, est-ce que le bruit du téléphone est incroyable? Sully, rappelle-moi, là, rappelle-moi, j'ai envie. Ah non, c'est bon, c'est trop... c'est incroyable. Et je dis une précision. Une fois après avoir fait le parcours que je vais vous conseiller, il y aura un code à avoir. Ce code-là, tu peux le dire qu'une fois à la porte. Les gars, une fois que vous arrivez, faut que vous soyez sûr. Parce qu'après, vous aurez plus de chance. Il y a un rapport avec le Capitole. Je vois que vous êtes impatient. Sur mon Insta. Je vais mettre la story que j'ai tournée ce matin. Parce que ce matin, j'étais sur les lieux. Dès que je vais poster cette story, la chasse pourra commencer. Place du Capitole, rendez-vous tous. Même si je suis pas, vous pouvez tous y aller. C'est ici qu'il faut chercher. Dans le périmètre de la place du Capitole, il y a le début de l'énigme. D'ici 10 minutes, j'appellerai mon ami Mani à l'antenne pour qu'il me montre qu'est-ce qui se passe. Place du Capitole. Toulouse, on réveille Toulouse aujourd'hui. C'est un dimanche, mais on le réveille. Du coup, je suis passé dans les rues de Toulouse ce matin. Ça a fait la fête à Toulouse. Hein. Déjà, il y avait des meufs. J'ai envie de parler en ça. Toulouse, il y a de la gadie. Est-ce qu'on commencerait pas à peut-être faire le premier mot croisé? Alors attendez, parce que j'ai un petit papier là. Ce mur-là, c'est pour trouver petit à petit des indices qui peuvent te permettre d'arriver jusqu'à moi. C'est un peu la casa des papas. Professeur, t'as vu? C'est parti, on va commencer comme à l'école. Je suis votre professeur aujourd'hui. Donc déjà, je vous donne une petite piste. Ça commence par un dé. Premier indice, je te dis nature. Quand quelqu'un va arriver dans mon studio, il va faire une... voilà. Oh! Déjà! Mais vous êtes trop fort. Le chat, vous pouvez vous applaudir dans le chat. Est-ce qu'on peut dire que vous avez découvert le premier mot? Parce que oui, les gars, le premier mot, c'était découverte. Mani veut passer à l'antenne. Est-ce qu'on peut avoir Mani en direct? Oh oui! Oh oui, mais... Oh, il y a de la boxe! Eh, Mani, c'est comment? Place du Capitole là. Il y a déjà des abonnés qui sont en train de chercher, il y en a pas mal. Mais vous cherchez les indices là? Ouais. Oh là. Ok, là. Bah vas-y, on peut t'arrêter. Ok. Tout, hein. Commencez à chercher et allez-y maintenant parce qu'il y a du boulot. Hein. Oh là là. Ah, mais attends, mais il y a du monde, sa mère. C'est une dinguerie. Ouais, ça va les gars. Il y a du monde. Mani, tu peux expliquer au live qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer tous les abonnés qui cherchent. Regarde, c'est le Oh là, c'est le Zbeul. Toulouse, c'est le début. Ça va être n'importe quoi. Eh oui, bébé. Oh oui, j'aime bien que ça se passe. Du bruit dans le... Oh, ils sont en scoot beat. Oh, ils sont là, ils sont là. Ah ouais, tu nous sonnes. Allez tous chercher tous les indices parce qu'il y a du boulot. Ouais, les gars, ouais. Amine, je vais te laisser et je te rappelle après. Allez, allez, à toutes. Je kiffe ce live. Ça vient de commencer, je kiffe, mec. Là, je fais un live comme ça, je vais vouloir en faire tout le temps, en fait. C'est ça, le problème. Ouais. On a intérêt à te voir. Parce que, frère, 3 heures on cherche. 3 heures on cherche, 3 heures. On marche. Eh, je me suis réveillé à la maison. 8 heures, mais j'espère que t'es là. J'espère que t'es caché. Qu'est-ce qu'on va trouver? Inox, vraiment, c'est hyper difficile. Là, je suis encore au Capitole, gros. Ça fait 30 minutes au Capitole. Inox, j'ai pris une très très grande décision. Je viens de te chercher. On va chercher les indices là, dans ta story. Ok, j'ai commencé à essayer de trouver les indices. Donc, Apo, elle a mis la vidéo de Inox quand. Il fait le truc de la météo là. Et là, l'extrait qu'elle a mis, c'était Montpellier. Au début, je me suis dit, mais c'est à Montpellier, mais c'est trop facile. Et là, Doc, il a mis un indice. Alors là, mais cet indice, mais il ne met pas du scène. Vous savez, c'était to log, to cry, to sleep, to wake up, to win, to lose. De gagner à perdre, lose, perdre. Tout, point d'interrogation, c'est Toulouse. Oh, wow, mais je suis trop conne. Toulouse, Toulouse, la ville. Et au début, j'ai grave galéré, j'étais en mode perdre. Donc, j'ai décidé d'aller te chercher. On est dans le train. Vraiment, je pense qu'on se demande ce qu'on fait là. J'espère qu'on va gagner. Sachant qu'on en sera malé avec deux valises. Et ça, bien rêvé. Ok, Inox, là je m'apprête à prendre le bus. T'es dans ma ville, je me dois te chercher. On est parti. Donc là, Inox, pré-vlog, on est place du Capitole. Ok, les gars, on est arrivé. Donc c'est ici où se situe Inox Tag. Il y a quelques personnes. Là pour l'instant, j'ai vu 3 personnes. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Du coup, là, il y a du monde. Il y a quelques personnes. Ici, le premier indice.
Allez tous chercher tous les indices parce qu'il y a du boulot. Il n'y a qu'un gagnant. Allez-y, il n'y a qu'un gagnant. Ok, ok, bah go essayer de trouver des indices. Ok, du coup, genre là, on cherche... C'est le mari aussi. On cherche Inox. On te cherche. Enfin ouais, on cherche. Et genre en mode, du coup on a trouvé un Kirfod et là on et va... Le rébut. Ouais. On du va... coup là sincèrement on arrive. Est-ce que je fais une transition genre? Ouais. Yo les petits potes, on est bien arrivé à Toulouse Matabio. Avec la trotte. On va chercher la moumou. Les gars, je vais balancer un numéro de téléphone qui va s'afficher à l'écran. C'est des cercophones. Celui qui veut m'appeler pourra m'appeler. Vous pourrez m'expliquer une anecdote. Si t'as des soucis, je pourrais t'aider à les résoudre. Pendant que je suis caché, j'ai rien à foutre donc. Faut bien que je m'occupe. Le numéro n'est pas payant. Je ne suis pas un bâtard. Je ne vais pas vous faire payer le numéro. Vous inquiétez pas. Mais achetez du Coca-Cola sans sucre. Pour goûter. Allô? Allô? Ça va mon ref? Ça va et toi? Ça dit quoi le soir? Tu t'appelles comment mon ref? Je m'appelle Yaya. Yaya? T'habites où le ref? Je suis à Metz. Tu sais que t'es chaud pour avoir réussi à appeler parce qu'il y a 10 000 mecs qui appellent là depuis tout à l'heure. Ouais bah ouais, c'est un truc de fou. T'as un truc à raconter au live ou pas? Une petite anecdote ou je sais pas? Non, pas forcément, je suis plus là pour demander des indices. Oh! Tu veux quoi comme indice? Plus dans le nord ou dans le sud de la France? Yaya, il a de la latence. Depuis le début du live, je dis que je suis à Toulouse, Yaya. Bah, pour être tout ce que t'as fait. Metz, c'est où? C'est dans le nord? Ouais. Ah, t'es à Tatawin, toi, mon ref. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, Yaya, de t'entendre au téléphone. Je te fais des gros bisous, Yaya. Vas-y, ouais, bisous, mon ref. Salut. A plus, à plus. C'est ton numéro de téléphone perso? Bien sûr que c'est mon numéro de téléphone question. Mais quelle question, amigo? Bien sûr que c'est mon numéro de téléphone. Pas du tout. Allô? Allô? Allô, ça va ou quoi? Mais non, je suis en ligne avec Inox là. T'es aux toilettes? Ouais, je suis sur le live. Mais aux toilettes? Bah non, clairement pas. Ah, ça résonne, t'es où? Ah bah là, je suis dans mon salon, je suis sur la télé en train de te regarder. Et t'as quel âge? J'ai 15 ans. Et alors, ça te plaît pour l'instant ou pas? Ah ouais, c'est trop cool, vraiment. Le concept, il est original, c'est trop bien. T'es en détente, mais c'est carré. T'as envie de nous raconter un petit truc ou pas en live là? Moi j'ai envie. Ouais, si tu veux, vite fait. Attends, t'as pas le droit de mentir, parce qu'on connaît, hein. On vous connaît, hein, les abonnés. Des fois, il y en a qui mentent. Ah non, j'ai pas le droit de mentir, mais c'est rien de particulier. Ah, hein. Oh, c'est un petit truc tranquille. C'est un petit truc. En fait, c'était juste drôle sur le moment parce que, okay, bah, tu vois, au Mexique, Andrea et tout ça. Ouais. J'étais en vacances moi aussi, et j'avais croisé une meuf, mais elle lui ressemblait vraiment beaucoup. C'était trop drôle. C'était un missile, Andrea, quand même. Ouais, mais mec, franchement, à 2 décembre, faut que tu portes. Ah, faut que je porte mes couilles. Ouais. Je vais aller à la Tour Eiffel à ton avis avec Andrea. Si t'es chaud, franchement ça peut être drôle. Ça c'est hoche. Bah mon petit ref, ça fait plaisir. Ça me fait très plaisir d'être en ligne avec toi, merci beaucoup. Et c'était quoi ton prénom? Je m'appelle Lenny Comer. Lenny, t'es le boss, merci beaucoup. Ciao. Allez, ciao mon ref, quel boss, mais lui c'était un crack. Yo les gars, on est dans le marché des cars, mon cher Chinox. Il y a plein de gens qui cherchent une bonne quinzaine. Donc on va voir. On a fait 2 heures de jeu pour trouver Inox Tag. On est au parking des Carmes là. Inox Tag, t'es pas là. On a vu ça dans ta story, t'es pas là. Yo les bipèdes, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Là, j'ai tout fait sur le fil parce que c'était pas prévu. En gros, on joue à la partie de cache-cache avec Inox. Où là, je prends la bécane. On y va, je vais vous filmer tout ça. Ça va être incroyable. Ok les gars, on est arrivé à Toulouse. Eh, je m'assois carrément. Et oui, c'est pour ça qu'on peut pas griller les étapes, les gars. Ok les gars, on est place du Capitole, je vois des abonnés partout qui cherchent. Et let's go chercher les indices, j'ai le live en route sur l'autre téléphone. On croise des abonnés partout, les gars. Quand je vous dis partout, c'est partout. Est-ce que vous êtes pas en train de chercher le One Piece, les gars? Là, vous êtes carrément en train de chercher le One Piece. Mais de ouf. Celui qui me trouve, je lui fais sa fête. Bref. Non. Ah, il y a le QR code là, les gars, je l'ai. C'est facile. Ok, donc le QR code donne accès à un lien d'une vidéo YouTube. Il y a gavé de monde. Je vous explique les bipèdes. Donc en gros, il y avait un QR code qui donne une vidéo. Il te dit d'acheter une canette de Coca et de bien regarder. Et Cristal, le mot clé c'est Cristal. On a la canette de Coca-Cola sans sucre. Il a dit de bien regarder dessus et c'était le. Il a donné comme indice Cristal. Inox Tag, il a annoncé son jeu. Ah, il y a du monde déjà. Hein. Hey, il y a plein du monde. Hein. Nickel. Les gars. C'est quoi le truc? Ok les gars, petit topo. Alors, en gros là on est place du Capitole. Donc il y a un indice qui est caché, il a été trouvé. C'est un QR code sur une trottinette, elle est juste ici. Regardez, voilà, là il y a une trottinette, il y a un QR code. Hop, une fois qu'on scanne le QR code, et bah faut, ça nous dit sur une vidéo YouTube qu'il faut qu'on trouve une canette de Coca-Cola dans une épicerie. Et ensuite un truc qui est cristalline. Et vous y êtes allé? Oh, t'as une canette. Vous avez quoi avec la canette? Un rébut. On a un rébut. Et le rébut, c'était où? Quoi? C'était comment vous avez fait pour avoir le rébut? Faut scanner le lien, mais tu crois ton code? T'as le rébut? Ouais, je l'ai rébut. Mais au cas où, juste pour voir, ça passe. En gros, Inox a donné le premier indice. Le premier indice, c'est quoi? C'est la place du Capitole, la place du Capitole,
vraiment à 300 mètres de chez moi. Et là, bon, bref, il est en train de parler de eux, il est en train de dire ouais, tu vous as dégagé. Donc ça, on le voit, t'inquiète pas, on le voit. Essayer d'ailleurs de le trouver aussi. Même si je le trouve pas, j'espère le voir quand même, même si j'ai pas tous les cadeaux et tout, j'espère quand même te voir. Bah, du coup, ça me fait trop quand même le seul, je peux pas te le cacher. Mais bon, on va essayer ça. Par contre, je sais pas vlogger, c'est incroyable. Et voilà. Hein. Bref, je coupe là et je vais à la place des Capitoles, je vais me dépêcher parce que là, je sens que je suis un peu en retard. Vas-y, zoom à fond, je veux qu'on voit les gouttes du coca sans sucre découler. Faut qu'on voit le coca dans ma bouche, attends. Oui, chérie, j'ai pas besoin de toi. En vrai, j'ai pas besoin de toi. Sirena, j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi. Ouais, je suis. Désolé la régie, non mais qu'est-ce que je leur fais faire la régie? Qu'est-ce que je leur fais faire la régie? Non, il casse les couilles lui. Et on a Mani qui arrive à l'antenne, on va switcher directement pour lui poser des questions, c'est parti. Bon les refs, là on est totalement en direct, donc vous avez tous trouvé le premier QR code là? Yeah, ils ont trouvé le premier QR code là, du coup, okay. Ça, donc là ouais, tous ceux-là ils ont trouvé le premier QR code. Maintenant est-ce que vous avez des petites questions à poser? Est-ce que c'est des indices physiques ou est-ce que genre c'est une succession de lieux qui nous donne un endroit à la fin? Là normalement t'as trouvé le premier QR code, il te dit d'aller quelque part? Ouais. Et bah suis le chemin. En fait si vous sautez un QR code, ça va vous fausser sur tout le long du trajet. C'est-à-dire qu'il faut bien suivre les étapes. Ouais. Et d'autres à une question. Ah mon gars, si tu me trouves pas, je reste toute l'année mon ref. Donc viens me trouver. Il va faire demi-tour, il va pas venir. Voilà, donc là on est ici, au neuf, on prend des nouvelles et je te rappelle à la prochaine étape. Bisous. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure les amours. Ouais. Chiche. Putain. On va s'aider. Bon, du coup, il y a eu grave des galères. Ils ont arraché le QR code. On a dû retourner depuis le début. On a croisé tes potes. On a pu avoir un QR code. Donc, on est allé le prendre là. T'as choisi vraiment le mauvais jour. Il fait super chaud. Donc, là, on va au jardin japonais. Là. J'ai hyper faim. J'ai hyper soif. J'ai l'impression que je fais Koh Lanta en fait. En fait, c'est Koh Lanta. Oui, ma mimou. Pièce pour. Là, il reste dans la pièce. Les dernières pièces pour. Mec. Ok, c'est bon, on est là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est fini, docteur. Dans déjà la trois problèmes se posent actuellement. Premier problème, j'ai mis le GPS pour partir au deuxième point. Malheureusement que le deuxième point. Le GPS a mis nimp, j'ai suivi et je me retrouve à un endroit qui n'a rien à voir. On perd un peu de temps, ça c'est pas très grave encore. Deuxième problème, j'ai plus de batterie dans le téléphone. Je peux plus suivre le live, j'ai plus aucun indice, même si je suis les abonnés et tout. Troisième problème, j'ai plus d'essence dans la moto. Bon les gars, du coup, là je suis en train de chercher indice par indice. Franchement c'est compliqué. Et voilà, Inox. Tu nous fais pas mal marcher, hein. C'est pas pour dire, mais j'ai mal aux jambes. Donc les gars, l'indice était sur le pont japonais et l'indice c'était aller à la place Belfort. Donc direction place Belfort. Allô? Allô? Ça va ou quoi? Oui. Ouah, t'as quel âge? J'ai 10 ans. Ah ouais, t'es jeune. T'as un téléphone? Bah non, c'est celui de mon père. Ah, y'a le daron qui regarde le live? Ah oui. non, c'est mes parents. Quoi ton prénom? Moi c'est Shaina. Un snap, non, je rigole. Du coup, tu disais, tu me suis depuis combien de temps? Je te suis depuis quelques mois. Et vous jouez à quoi dans la cour de récré? À la récré, on joue au loup, des fois on joue au Kalamaya, ouais. On joue à plein ah, de ça, jeux. Je me rappelle, t'as à l'époque ça, hein. Tu joues à attrape-fille, attrape-garçon? Oui, des fois on jouait un peu à ça. Et au médecin? Non. Ça on jouait quand on était plus petit. Ouais, le médecin, ouais, ouais, tu joueras plus tard ça. Mon père, il me demande c'est qui. Il dit quoi le daron? Bah, à ton avis. Il comprend pas. Bah, c'est Inox Tag. Shaina, t'es la bosse. Merci. Fais attention sur internet, ok? Ok. Je te fais confiance. Allez, des bisous. Fais attention, hein. Te fais pas manger par le loup dans la récré, hein. Tête de maman, elle est trop mignonne. Par contre, elle est jeune, hein. Ça, je savais pas. À cette époque-là, moi, je jouais à la marelle, hein. Et j'avais pas de téléphone. J'en peux plus. On essaie de chercher le dernier truc et on ne trouve pas. Bah, en fait, on était bloqués. On est à peu près une trentaine. Et pour nous débloquer, j'ai dû faire un don. Sinon, on sera encore bloqué. Sauf que le problème, c'est qu'ils veulent pas me laisser passer pour que ça. Voilà les gars, donc ça y est, là on a trouvé l'église grâce au rébus. Et là, il y a un QR code à trouver. On l'a trouvé, regardez. Une fois qu'on a le QR code, en gros, il y a le code cristal de la canette. On l'a rentré et là, on a la prochaine étape. Ah, c'est bon, vous trouvez. On a le QR code. Ouais, on a le QR code. C'est ça, vas-y. Les gars, photo. Mais ce qui signifie, ça marche pas là. Mon tel, il bug trop, frère. Non, parce que c'est... Là, parce on vient de prendre le QR code sur le pont. On a la suite de l'étape. Arrête. On est deuxième. Il y a des abonnés devant nous, mais on va les rattraper. Là, on fonce dans la voiture. On va à la prochaine adresse. Allez, go. Si les refs, on est arrivé place Belfort. Donc là, on a un prochain QR code à trouver. Il est quelque part. Il y a des abonnés, je crois. Il y a des abonnés. Si, là-bas. Non? Ah ouais, c'est des abos, ça. Si, on n'est pas premier. C'est bon, on vient de trouver le code. Oh, on a galéré. Il était sous nos yeux. Ok, donc là, on a trouvé une statue.
c'est la suite de l'énigme, une fois qu'on a scanné le QR code. Et une fois qu'on trouve cette statue, et ben l'énigme à résoudre. Il y a une énigme à résoudre. Ok, j'ai la réponse. J'ai déjà la réponse. Elle est écrite, ouais. Ouais. Ok, il y a un QR code là. On est en train de le scanner. Là on ferme, on cherche un truc sur la place. Il y a une énigme à trouver, ensuite il y aura un puzzle à faire. T'es aidé ? Après, ouais, je vais la dossier. On a le QR code, Ici. Ah, c'est bon, prouvé. On a le QR code ? Ouais, on a le QR code. C'est ça, vas-y. Les gars, prends photo. Et qui nous dit que c'est de ce côté et pas de l'autre ? C'est bon, j'ai. Ouais, il scanne pas. Mot de passe, il y a un mot de passe. John Berberton. Je suis à Toulouse, je suis au centre de la France vers Châteauroux. Et voilà, on en profite pour sortir un peu. Et là, t'es en train de galérer avec le puzzle. Ah ouais, là, c'est terrible. T'as un message pour Inox ? Ah, il doit être terrible ton puzzle. Hein. Il est terrible, il est terrifiant. Hein. Mais continue comme ça, hein. C'est le meilleur, surtout avec la sirène. Allô ? Oui, allô ? Oui, ça va ou quoi, mon ref ? Bah, tranquille. Ça dit quoi, le sang ? Bah, ça dit bien, quoi. Ok, ça dit bien. Je m'appelle Noah. Ok. Pourquoi tu m'appelles ? J'ai des petites blagues, carrément. Me fais pas un bide. Est-ce que tu... Il rigole déjà sa blague, mais gros, dis-moi la blague avant de rigoler, j'ai rien compris. Comment elles font pour rester ensemble avec toute la merde qu'il y a eu entre elles? Qui ça? Mes meufs? Mes fesses. J'ai pas rigolé. Bon, le standard, raccrochez-moi ce zigote. Non, mais pourquoi tu rigoles là, au standard? Non, mais c'est honteux. Non, mais si vous aussi vous vous imitez, oh, c'est le putain de honte. Non. Allô, tu m'entends? Il a raccroché, non. Non mais gros, il m'appelle 200 fois pour me faire 3 blagues de merde. Non mais en vrai, gros big up à toi, je t'aime, je rigole avec toi mon ref, t'inquiète. On arrive sur la fin de ce mot croisé, à vous de jouer. Quel est le numéro 11? Il y a un I, il y a un E. C'est peut-être le code pour aider les abonnés qui essayent de me trouver dans ce studio. C'est l'étape presque finale. Le I, et le E, on a le A, on a le N, on a le S, et c'est bien... le R. La solution des mots croisés est le mot Sirena. Et Mani en ligne. On va le prendre direct au standard. D'ici quelques peu de temps. Mani, est-ce que tu nous reçois? Ouais, je suis là, mon frère. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un attroupement là. Ouais, les gars. Bah là, frérot, tout simplement, ils sont devant le bar pour le mot Sirena. Attention, est-ce qu'il a le bon code, le chat? Bonjour. Je vais jouer un coca sans sucre. Dans les ventes de ski, Sirena. Bravo. Yeah, la fille, voilà. Notre premier, on applaudit dans le chat. Le premier à avoir débloqué l'étape, il est là. Ok, du coup, par contre c'est pas fini parce que c'est le premier qui a trouvé. Mais il y a encore tout ça dehors qui attend. Comme tu peux voir, Inox, là dehors c'est le chaos. C'est le gars, ah ouais. Donc là il y a tout ça qui veut passer. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va suivre ceux qui ont gagné pour l'étape suivante. On va filmer tout ça, on va leur laisser un dernier mot. Ouais les gars, un coucou, ouais. Oh là là, merci ouais, les gars, merci. Je vais en goûter un aujourd'hui. Elle a combien elle est hale, mon ref. C'est comment Kardesh? Oui, la Kardesh. La commu au rendez-vous là. Ça là, là, le vlog. Elle est là, la commu. Wesh. Hé, Inès. Oh, c'est le gars. Oh là là. Oh putain, les gars, je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le moment ou jamais. C'est une dinguerie. Regarde le monde. Et qu'on va essayer de retrouver le premier qui a trouvé. Il est là. Ok. L'ambiance, voilà. Ils arrivent dans ma planque, c'est ma tête. Oh là, ça craint. Ils arrivent à la planque. Je vais lui rappeler les règles. Il a une seule chance. Si malheureusement il échoue, il va devoir ressortir. On va prendre le deuxième. Et après, on va prendre ainsi de suite. Dehors, c'est le KO. Là, tu veux de l'eau, tu ouais. C'est son anniversaire. On s'est vu à la fin du parcours, mais je voulais. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment, mon ref? Je m'appelle Pierre. Hey, des bons anniversaires pour Pierre dans le chat. Je suis vraiment très content de venir ici. Et on va les diriger là où ils doivent mettre le code. Oh là là, les gars. Oh là là. Les gars, le stress, hein. C'est juste ici. Dis-leur qu'ils ont tout leur temps. Déjà, vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est déjà très très fort. Très très fort. 7, 2, 8, 3. On tente ? Je suis désolé, mon pote. Oh non ! Je t'aime ! Oh les gars, je suis désolé, putain. Bravo, on les applaudit dans le chat.
coup dur pour les amis. Ils ont pas trouvé le code. Allez, c'est parti, Mani qui va chercher peut-être le deuxième potentiel gagnant. Là, on est avec le frérot, le deuxième qui a trouvé le mot. Est-ce que tu penses avoir le code? Alors là... Tu penses pas? Non, je pense pas. Aïe, mon ref. Dommage. C'est quoi ton prénom, mon ref? Abdelatif. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi aussi. Merci d'avoir fait ce projet. T'es le boss, mon ref. Merci. Bien joué. Bien joué à toi aussi. Dommage. Alors? Je pars ici. Ah ouais? Ouais. Et t'as un message pour Inox? J'adore. J'ai toutes tes vidéos là-dessus. Ah ouais, que voulez? C'est pire que les enfants. T'es resté à l'intérieur. Eh, on peut me remonter, s'il te plaît, moi, là, Allez-y, je vous en prie. C'est bon, merci. Au revoir. Elle nous accueille, la daronne. Comment tu t'appelles, mon frère? Représente-toi. Je m'appelle Gabin, j'ai 16 ans, je viens de Périgueux. J'ai 3 heures de route là. Mais non! Tu penses avoir le code? Je pense, ouais. Me le dis pas maintenant. Ok. Est-ce que c'est lui, le génie? T'as bien subi toutes les étapes de la chasse? Ouais, c'est un truc de A à Z là. Le destin est entre tes mains. Mon ref, le voyage est entre tes mains, putain de merde! Putain de merde! Oh merde. Non! Mais faites-moi sortir d'ici, putain! Bien joué, dommage! On va se diriger sur la 4ème. T'y étais presque! T'as mis là par contre! T'es le boss! Merci! Merci à toi! Je suis désolé pour les 3 heures de route! On a le 4ème participant au conféro, vas-y, présente-toi à la caméra! Salut mon ami! Bonjour, je m'appelle Henri, j'habite à Toulouse. Ouais? Ouais, je fais du judo. Ok, donc ça veut dire que t'es dans le coin, tu connais un petit peu la ville de Toulouse et tout. Tu penses que ça t'a aidé dans les étapes? Oui. Est-ce que Henri, tu penses gagner là? Oui. Le chat compte sur toi! Sans plus tarder, on y go! T'es conscient que derrière cette porte, tu as trouvé tu l'as préféré. J'espère. Et en plus de ça, un an de Bazooka Cola sans sucre gratuit et en plus de ça, un voyage. Tu penses que c'est ça? Oui. C'est bon, il est. Et c'est parti, c'est gagné. Félicitations. Mon rêve. Félicitations. Mon rêve. C'est moi, Inox. Mon grand. C'est toi le grand gagnant. Oui. Ça va ou quoi? Gros, bah tiens, je t'offre un petit coca, mais bon, merci. Après, c'est rien contrairement à ce que tu vas gagner. Gros, mec, tu vas te nous raconter comment t'es arrivé là, mec. Ça fait plaisir. Viens, on va se poser dans le cadavre si tu veux. Oui. Oh là là, la dinguerie. C'est en stress. Oui. Ça te fait quoi là d'être là? Bah, je suis heureux. Mais gros, ne stresse pas. Explique comment t'es arrivé là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire? Est-ce que tu l'as fait avec des amis? Mec, oui. Ouais, tu l'as fait avec des potes? Ouais, il y a Simon. Simon, on est carrément ensemble. Et il y a ma famille aussi. Ok, lourd. Et du coup, t'es arrivé place du Capitole ce matin. Ça s'est passé comment? Moi, je suis directement allé à Saint-Sernin. Parce qu'il y avait l'image en haut à droite de la carte. Ok. J'ai trouvé le QR code. Et le code, du coup, alors comment t'as fait pour le trouver? Quand on scannait un QR code, il y avait un chiffre et après c'est ma mère qui a trouvé. Ok, donc ta daronne elle t'a aidé. Ouais. Elle s'appelle comment? Céline. Céline, je t'aime. Céline. Bien joué. Bah franchement gros, tu peux être content de toi parce que t'as gagné un voyage mon ref. Et je remercie encore une fois Coca-Cola d'avoir permis cet événement. Franchement, si vous avez kiffé, peut-être que Coca m'accompagnera sur un projet encore plus grand. Et merci aussi à Bukamo, c'est pour les étudiants, les voyages, etc. C'est eux aussi qui participent pour ton voyage. Bref, je pense qu'on va laisser les abonnés là-dessus. Voilà. Merci beaucoup hein la commis. Bien joué mon grand, t'as gagné. Félicitations Henri. Ça fait plaisir. Un Mac de génie dans le chat. Et on peut se laisser sur ça, mec, t'es trop chaud. Tu vois Coca? Prochainement la commu, c'est comment? Ça c'est pour le vlog celui-là. Eh t'es mort, passez dans le vlog. Ouais. Exactement, la rendez-vous. Place du Capitole, là bas, la place du Capitole. J'arrive. On est hal, mec. Hey, tous ceux qui ont arraché les QR codes là, ramenez-les. Je vais m'occuper d'eux. Hé,
Laisse une réaction pour le vlog, pour Ryan. Mais où on est ensemble, frère? Ben oui, je suis en con, j'ai vu tout à l'heure. Il y a tellement de monde, frère, j'arrive plus à savoir qui est qui. Dis-toi même notre équipe, je la vois plus, frère. C'est dinguerie. Oh ou pas, les gars? Eh, je vous avais promis de venir. Eh, merci d'être venus, les gars. Vous avez fait le cache-cache? Ouais. C'était chaud ou pas? Tu me protèges. Vas-y, vas-y. Ah, bâtard. Ina, 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 Ina. Actuellement, avec mon Toulousain, c'est incroyable ce qu'il se passe. Manu le reporter, en direct avec tout le peuple toulousain. Incroyable, regardez ça. Écoutez tellement. Hey, la dernière fois que j'ai entendu ça, dans Spider-Man 3, c'est une dinguerie. On est allé devant, j'ai trop le seum, j'ai levé la main. En fait, je crois que je connaissais le code, mais en fait, je sais pas le code qu'il a tapé, le mec. Mais il était devant moi. Ouais, merci d'avoir suivi cette vidéo de fou et surtout cet événement incroyable dans Toulouse. T'as vraiment, merci, Nox. T'as vraiment régalé tous les Toulousains. Tous. T'as rassemblé ta communauté et tout, c'était incroyable. Et force à toi, Inox. Force à toi, Inox. Et toute la team, Mani et tout. Coucou, on est devant. Et du coup, il y a un gars qui a trouvé, du coup, j'ai dit à lui. Et en vrai, c'était grave bien comme concept, du coup, voilà. Je n'ai pas réussi à savoir le code, tout simplement, mais j'ai réussi à te trouver. Sauf qu'on n'a pas su le code, donc c'est bien dommage. J'aurais aimé être avec toi et tout, mais bon. Journée incroyable, cache-cache, incroyable. Grâce à lui, j'ai passé l'une de mes meilleures journées de toute ma vie. Donc, j'ai pas pu, forcément gagner, mais c'est pas grave. La chose qui compte, c'est de participer. Je te remercie encore pour cette journée. Et voilà, plein de gros bisous. Bon, bah, les gars, on vient de rentrer à la maison. Comme vous le savez, on est rentré bredouille, maman. Trop d'erreurs de ma part, coup dur pour le joueur français. Inox à Toulouse, Inox chez nous, chez moi. Et on le rate, voilà. C'était un régal, j'ai croisé beaucoup d'abonnés à Inox. Vous êtes les boss, trop gentils. Et ben Inox, GG à toi, c'était une chasse au trésor incroyable. Et sache que le trésor, c'était toi, frérot. Bon, bah les gars, je viens de couper le live, je suis avec Henri, t'es le grand gagnant. Mec, merci beaucoup d'avoir participé. Mec, oui. Ça me fait trop plaisir. Et j'espère que ça a été fait une bonne expérience et que t'as kiffé le jeu. Ah oui, c'était trop bien. Mec, ça m'a fait trop plaisir. Les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je fais pour la prochaine fois, qu'est-ce que je peux améliorer dans le concept et tout. Vous me dites. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Henri, bien joué, tu vas aller où comme voyage? Mais je pense à côté de la mer. À côté de la mer? Oui. Avec tes parents? Oui. Ah, c'est de la frappe. Sur ce, les gars, bisous tout le monde. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que j'améliore pour la prochaine fois. Si vous avez kiffé, merci encore à Coca-Cola. On est. Tchuss.